Britanniques ont été trop égoïstes dans la négociation. Question suivante. Philippe Lambert. Merci, Monsieur le Commissaire. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que l'Europe ne sortira pas de la crise sans plus d'intégration politique et budgétaire. Mais cela est impossible si les citoyens n'admettent pas la légitimité des décisions qui sont prises. Si je prends les nouvelles propositions de la Commission, ce que je constate, c'est que cette dernière s'accorde des compétences supplémentaires, passe et entend imposer un certain nombre de décisions au gouvernement sans qu'il y ait de contrôle des pouvoirs. Alors tout cela se fait en couloir, dans les couloirs, et je pense que c'est passer outre la démocratie au niveau national. Ce que fait, je reviens sur Angela Merkel, qui demande un vote du Bundestag avant de se présenter à Bruxelles. Imaginez que d'autres chefs de gouvernement le fassent en Europe. Les parlements nationaux, de toute façon, ont été court-circuités. Alors, ce que je constate, c'est que la stratégie multiannuelle, les différentes actions de la Commission doivent faire l'objet d'un débat ici au Parlement européen qui doit donner son feu vert. Et cela doit également être discuté au niveau des parlements nationaux. Bon, je pense que c'est vraiment un minimum en ce qui concerne la légitimité démocratique. Je vous retirerai 10 secondes la prochaine fois.